Yo, what's up? Oh, c'est sick! On va attendre que la lumière rouvre. Hein. On va s'en parler après. Des projets d'hiver 2000, ben, fin 2020, début 2021. Première des choses qu'on va faire, on va aller dehors. Dans le fond, moi, je viens d'arriver avec celle-là ici. Ça, c'est mon futur nouveau char. Fait qu'en tout cas, celle-là, il faudrait qu'il soit bien entretenu. Lui, on s'en calisse. Lui, il faudrait qu'il soit. Bon, lui, on s'en fout un peu aussi. Mais en tout cas, j'ai un EK aussi en arrière que je voudrais ramener en avant. Parce que dans le fond, l'hiver, et je peux pas tout rentrer dans mon garage. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que les S13, ils ont priorité dans le garage. J'aimerais ça peut-être que lui, puis mon nouveau EK, il pourrait pas trop, genre, l'hiver, puis tout. Fait qu'en tout cas, une des solutions que j'ai, c'est de ramener les deux en avant ici. Du fait qu'ils soient en avant, je vais pouvoir venir les pelleter une fois de temps en temps. Parce que sinon, là. Sinon, là. Parce que sinon ils sont loin. J'ai pas le goût là, d'aller jusque là-bas. C'est sûr que ça, je les pelleterai pas là. Lui, il peut ramasser la cochonnerie, je m'en sac. Lui, il peut ramasser la cochonnerie, je m'en sac. Lui, par exemple, il faudrait que je l'amène là-bas. Ah, il est quand même beau, hein? Il est correct. J'avais oublié que j'avais ça. L'autre fois, en plus, je parlais à un de mes chums, puis je disais, oh, c'est ça, j'ai comme deux, trois chars en avant du garage, puis tu sais, j'en ai deux dans le garage, j'en ai trois en avant du garage, j'en ai deux en arrière, il me dit, t'en as trois. Quoi? J'avais oublié ça, et ça, des fois, je pense pas. Non, il est moins beau de ce bord-là, un peu. En tout cas, fait que. J'espère que j'ai pas mis le bric-à-bras. C'est sûr que j'ai mis le bric-à-bras comme un taré, en plus. Pas de bric-à-bras, pis y'a pas à brayer, y'a même pas de transmission. Nice! Fait qu'en principe, je serais capable de le tirer. Ah ouais. Ok, bon ben. Les brakes sont pas jammés, pis on entend la ligne frotter en dessous. Pis je suis chanceux parce que là, je vais faire le tour du garage par là-bas. Jusque là-bas, puis genre ça paraît pas, mais il y a une petite côte. Fait que quand je l'amène ici, c'est vraiment de la merde parce que je monte, mais là je vais descendre. Fait que c'est. D'après moi, je me crinque un peu, là, puis hop, je le recule jusque là, puis après ça, je l'avance, puis on verra après. Uh-oh. D'habitude, ce que je fais rendu là, c'est le char. Je vais placer le tailleur, puis j'accote les chars, mais là, j'ai comme. Je viens d'avoir une idée de crétin. Si j'avance. J'avance, je donne un coup de break ben sec. Mais. Non, ça ne marche pas tant. Non. Et c'est parti! Ah, oh, c'est que je suis con, man. Ça m'arrive tout le temps. Et c'est parti! On avance, c'est le break à bras pour être sûr que le tailleur ne tombe pas. Et voilà. J'allais reculer en tournant un peu, fait que là en tout cas il est censé le placer un peu plus en ligne droite, on va essayer. Yep! 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 Quand on va avoir du fun avec mes batteuses. On va aller placer le tailleur comme du monde. Bon, si je vais tranquillement, constamment, il devrait se faire en une shot. Faut que j'aille trop vite parce que je vais pas me frapper à l'autre bout dans le tercel. Puis faut pas que j'aille trop lentement parce que s'il y a une différence entre la vitesse des deux chars, ben le temps va tomber. Je suis rendu un pro là-dedans. Puis là, faut que je regarde à travers toutes les vitres pour essayer de m'accoter en quitte du tercel. Sketch, man. Ah! Me semble que, hein?
Là, on va aller voir. On va aller voir notre progrès. Bah, la place encore. Je pourrais l'avancer de 3-4 pieds peut-être. Là, la façon de regarder, c'est pas simple. On va regarder à terre, on va avancer. Hmm. 3-4 pieds, c'est à peu près la grosse roche qui est là, ici à côté de moi. Fait que je pense que c'est ça que je vais essayer de faire. Comme ça. Ah, moi j'aime ça les calculs scientifiques là. Ah, je suis rendu un pro là-dedans. Bon, là si on regarde, c'est un peu mieux. Ouais, c'est pas pire. Ça devrait être satisfaisant. Que voilà, les deux chars là, l'espace dans le milieu pour pouvoir passer la porte de garage et tout ça. Puis les deux là qui vont passer le verre là, fait que je vais pouvoir déneiger lui une fois de temps en temps, déneiger lui une fois de temps en temps, essayer de pelleter un poteau, tu sais, pour que l'air puisse passer en dessous, puis ainsi de suite là. Fait que j'ai voulu m'acheter un tempo cette année, pas été assez vite, fait que c'est ça qui est ça. Puis, de toute façon, je sais pas trop comment je l'attacherai, là, je peux pas le planter dans le sol puis toute la patente là. Fait que en tout cas, ça a été un des projets. Sinon, j'ai pensé et tout peut-être. En tout cas, c'est parce que l'année prochaine là. Mettons que je me force, je donne mon 150%, puis d'habitude j'ai de la misère à donner mon 80%, là, fait qu'en tout cas je les garantis rien, mais l'année prochaine, le plan c'est de remonter lui, ok, avec le moteur dedans, toute la patente, ok, peinturé, tout ça, ok, tout monté, tout beau, tout propre, fait que lui il serait fait. Lui, j'aimerais ça aller passer une inspection avec, puis justement le monter racer, mais pas genre finalisé, là, tu sais, un jour je veux que ce soit turbo, mais ça sera pas l'année prochaine, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais ça pourrait quand même être ces deux-là de fait. Puis j'aimerais ça aussi arranger pour que le tercel turbo il roule, là. Le tercel il manque pas grand-chose. Fait que, tu sais, l'année prochaine, vraiment me forcer, là, été 2021, je monte lui super beau, super propre, ok, 100% fini, on va dire. Lui ici, je le monte à 80% fini, mettons, sauf le swap, dans le fond. Puis lui ici, je le mets sur la route. Fait que ces trois chars-là, ils peuvent rouler. Lui, il roule déjà depuis toujours. Lui, c'est un projet 2022. Peut-être. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est l'été 2021. Mais, mettons, cet hiver et tout, ce que j'ai pensé faire, vu que le prochain projet, c'est peut-être, genre, tu sais, soit ça, ou en tout cas, en fond, le même. J'avais pensé... Vu que je peux pas taponner dehors, puis je veux pas que mon S13 soit dehors, j'ai pensé de peut-être envoyer mon S13 ailleurs, dans un autre garage, là, tu sais, du monde que tu peux pas aller taponner. Mais comme le monde qui entrepose leur char l'hiver, fait que j'aurais entreposé mon Sylvia peut-être ailleurs, j'aurais pu rentrer un projet pour taponner l'hiver, mais finalement, en tout cas, je m'aperçois que ça ne tente pas plus que ça de taponner l'hiver. Puis en plus, tu sais, avec notre grand rangement formidable ici, ben, ça fait que les chars sont assez collés, puis tu sais, collés de même, quand t'arrives pour taponner, c'est pas le fun, t'as pas de place, t'as comme... un genou d'espace, fait qu'en tout cas, peut-être pas le best. Finalement, je pense pas faire ça non plus. Fait que sûrement que cet hiver, il se passera rien partout, dans le fond. Puis, en fait, j'ai parlé avec mes chums de gars et tout. Puis, dans le fond, eux autres se sont tous achetés des pick-up, ok? Puis là, je voulais m'acheter un pick-up pour aller faire de la trail avec eux. Sauf que moi, si je m'achète un pick-up, le problème que j'ai, c'est que si je m'achète un pick-up, le plan pour mon pick-up, c'est qu'il puisse tirer mon 240, m'acheter un trailer, puis tirer mon 240 pour aller faire la drift, puis ainsi de suite. Fait que, puis tu sais, aller chercher des tireurs, puis en tout cas, c'est un projet, c'est un peu pas un projet, mais c'est un outil de travail, ce pick-up-là. Fait que je peux pas aller me permettre de le mettre dans les champs, de le battre, de le briser, puis de faire toutes les temps, tu sais, c'est pas ça mon plan. Fait qu'en tout cas, puis si j'avais un truck à battre dans les champs, il faudrait que je me trouve... un passager pour filmer, puis blablabla. Fait qu'en tout cas, bref, j'ai conclu que ce serait mieux du fait que mes chums, ils ont 4-5 des trucks. Fait que je vais aller avec eux, je vais embarquer passager, je vais filmer leur ride, puis c'est ça. Fait que ça va me faire du contenu d'hiver. Eux autres vont faire de la trail, ils vont être contents, ils vont avoir des souvenirs. Fait que en tout cas, c'est peut-être ça que je pourrais faire pour cet hiver, tu sais, si je veux avoir du contenu, parce que l'hiver, c'est tout le temps difficile. Je fais rien, l'hiver. Je fais rien, puis.
Ça m'énerve quand j'ai plus qu'une semaine sans vidéo, je me dis, ah, tu sais, peu importe. Fait que c'est ça. Puis aussi, ce que j'ai peut-être pensé faire, mais qui est peut-être un peu moins excitant, je pourrais faire des lives. En fait, j'aimerais ça faire des lives sur YouTube, mais ça prend 1000 abonnés, puis j'ai pas 1000 abonnés. Fait que l'alternative, je pourrais faire des lives sur Facebook. Je sais pas encore de quoi ça va parler, probablement de rien. Je vais juste répondre à vos questions, puis ainsi de suite, des affaires même, parler des prochains projets ou peu importe. Fait que ça pourrait être une idée, mais tu sais, je sais pas encore je veux le faire. Si y a de quoi, vous pouvez aller voir ma page sur Facebook. Allez vous abonner. Je vais regarder voir si ça vaut la peine que je fasse des lives ou pas. Peut-être m'essayer une fois de temps en temps. On verra ça. Fait qu'en tout cas, j'ai pas des gros projets finalement pour cet hiver. Mais en tout cas, je vais essayer de vous publier des vidéos une fois de temps en temps. Puis, je pense que ça va pas mal ressembler à ça pour moi vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!